Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qui m'empêche, étant l'empereur, de coller des malus à mes voisins? Par exemple, au Danemark, qui a pris une province, on peut monter l'agitation parce que... Voilà, 27. Ah mince, il y a des gens dans la quoi contre moi. Donc on va provoquer la rébellion comme ça. Il y a Hesse, Clèves et Poméranie. Poméranie, t'as pris quoi? Lauenburg. Ah, cette province-là. Oh non, elle est sérieuse? Elle dirait non. C'était pas une cité libre par hasard? Non, je crois pas, malheureusement pour eux. Mission menée à bien. J'ai toujours que celle-là. Ça me va. Et S. Mais S, je pense que ça va se libérer tout seul. On va bien voir. Pas que les rebelles meurent. Ah, ça va être chaud pour eux. Défaite des rebelles, tant pis. Ils sont sérieux à rentrer dans la coalition contre leur empereur? Ravensburg, t'es une cité libre, bon sang. D'où tu peux te permettre ça? Entrer dans la coalition contre ton empereur. Qui d'autre pourrait rentrer? Le Palatinat. La Suisse. Je vais avoir des Luxembourgeois. Ah, c'est pour ça que j'ai envoyé mes troupes de ce côté-là. Luxembourg, Luxembourg et Lutzenburg. Chercher des deux façons. Augsbourg, Suisse. Ils sont pas gentils, hein. Munster, j'ai juste l'alliance. On va faire le mariage royal. Ah, c'est pas une monarchie, c'est un évêché, donc je peux pas. Pour l'instant, personne me soutient, mais bon, ça va se faire quand j'aurai un héritier, j'espère. Et voilà. Eux, ils soutiennent la Bohème, mais pour un instant encore. La Saxe, elle me soutient largement. Le Bade, il me soutient peu. Magdebourg et les deux autres sont censés me soutenir bientôt. Je pense qu'ils me soutiennent pas parce qu'ils sont dans la coalition contre moi. Ah non, c'est bon. C'est lui, il continue. Munster, c'est mon allié. Bade, par contre, il m'aime déjà plus. Il préfère le Palatinat. Le Palatinat vote pour. Ah, ils se préfèrent l'un l'autre. C'est marrant ça. Je sais pas du tout comment l'IA détermine si c'est Bade ou Palatinat qui mérite la place du coup. 265, 204. Peut-être que vu que Bade a un score plus haut. Au lieu de voter l'un pour l'autre et seulement l'un pour l'autre, ce qui serait un peu nul, il y en a un qui vote pour l'autre et l'autre qui vote pour lui. J'ai atteint le niveau de développement de 250, ce qui est relativement bien. Je sais pas comment on... Ah si, c'est comme ça. L'Autriche a 220 et la France, par comparaison, a 571. Enfin, non, ça compte pas que le niveau de développement, ça compte aussi le pourcentage d'autonomie des provinces. Donc, c'est-à-dire que je suis aussi gros que l'Autriche. C'est pas. C'est pas génial.
Je crois que c'est ça, hein. Allez, merci. Vous n'aimez pas votre empereur? Les opposants d'un pays étranger sont entrés en contact avec nous. Les aider sans doute n'aura l'effet de détériorer les relations. Blablabla. Désolé, je ne vous soutiendrai pas. La Saxe est mon allié. Je crois, oui. Quand même. Et la Saxe. Vote pour moi, bah elle vote pour moi même large. Ah. J'ai reconnu le son. Le Palatinat est pas rentré dans la Coa. Parce que c'est des copains. Comment je vais rentrer chez moi, moi? Je peux demander le passage à des pays un par un. Ou alors je demande l'accès militaire à lui. Je l'ai sur la Saxe. Et donc il me suffit d'avoir sur Clèves par exemple. Et après sur lui. Ça fait un sacré détour, mais bon. Révoquer l'accès. La S, elle voudrait l'accès militaire. Je te l'offre. Elle me le donnerait pas. À imposer l'unité religieuse. Mais ils sont hérétiques. À quoi ça servait que j'aurais imposé l'unité religieuse? Est-ce que j'ai pas un malus avec tous les protestants par hasard? Pour avoir imposé l'unité religieuse à l'un d'entre eux. Il y en a qui se sont fait reconvertir. Aix-la-Chapelle, j'aimerais pouvoir leur imposer l'unité religieuse pour détruire le centre. Centre qui agissent beaucoup trop. Eux, je dois pouvoir leur imposer l'unité religieuse. Ah, il faut un point, c'est vrai. Quoi, il faut un point pour imposer l'unité religieuse? Je croyais pas. Je peux faire une guerre sinon pour imposer l'unité religieuse. Non, je peux pas. Je croyais. Pour embrasser la contre-réforme. L'opinion des états pontificaux change. Contre-réforme s'applique en Bavière. Missionnaire plus 2, coup d'état plus important. Influence sur le pape, puissance des missionnaires contre les hérétiques. Coup des doctrines. On verra plus tard. Il y a moyen de savoir combien sont catholiques et combien sont hérétiques. Il y a moyen de savoir combien sont hérétiques. Il y a 32 princes, dont 17 princes hérétiques. Et à ce que je sache, on peut être hérétique et électeur. Le Lunebourg, il est hérétique et électeur. Donc ça m'arrange pas, je risque pas de. Si je cède ma place d'empereur, je risque pas de me faire élire parce que rien que parce que je suis catholique. Va le faire remplacer. La Poméranie est encore en guerre contre la Bohème, elle va pouvoir grossir aussi, hein. Et la Saxe est entrée en guerre aussi. Là, c'est occupé. Ah! Occupé par Saxe, oui. On va baisser la maintenance de l'armée. La S est toujours indignée. On va faire un plus grand détour sinon.
Ah, j'ai une relation. En plus, Bohème n'est plus un rival valable. Ah, la paix a été faite. Après Rupin et Potsdam. Très bien. On va prendre Milan. On va prendre la Hongrie. Et je pourrais aller humilier la Hongrie. Je me dis que c'est un bon plan, humilier la Hongrie. Ça me rapportera des points. De toute façon, je peux pas faire de guerre en attendant. Enfin, je peux pas faire de guerre de conquête. Autant en profiter pour faire une humiliation. Ça me rapportera de la démonstration de force. Ouais, pourquoi pas. Révoquer l'accès. Palatine attaque S pour conquête. Je peux vous faire qu'une revendication de toute façon. Ça sert à rien de faire plus. Améliorons nos relations avec eux. Par exemple en faisant ça. Eux ils m'aiment beaucoup. Ouais. La Flandre, ça fait très très longtemps que j'ai pas amélioré mes relations. Coup en score de guerre de la province. Coup des techs. Et les actions ont plus d'impact. Influence annuelle sur le pack. Oh, c'est très intéressant ça. Hop, profitons-en. Faut que j'améliore mes relations avec les états pontificaux aussi. Ah, je peux passer là parce que j'ai l'accès sur la Saxe. On va plutôt se mettre sur nos provinces. Ils sont alliés aux états pontificaux, mince. Ah, je peux convertir super vite. Très bien. Allons-y. Convertissons le Saint-Empire à la seule vraie foi. C'est le chaos en Norvège. Les Liégeois voudraient se révolter. Alors que je suis parti. Crapule. Petit Liégeois. Je croyais que j'avais que le nombre de relations qu'il me fallait. Accès militaire alliance, mariage royal alliance, notre partenaire mineur. On n'a pas de mariage royal avec eux? Ah non, mais c'est moi. Enfin, c'est mon roi qui gouverne. Munster, accès militaire et alliance. Saxe, c'est une alliance. Et eux, c'est notre vassal. Je vais peut-être les annexer. Est-ce que j'annexe l'Autriche aussi? L'Autriche, j'ai pas besoin de l'Autriche pour mes conquêtes. Bon, les autres non plus, vous me direz. Je préfère exiger une annexion de. Donc, on va d'abord prendre la mission. Hop. Plus besoin d'améliorer les relations avec eux. Je peux demander l'accès au Palatinat maintenant? Oui, je peux. Ça me permettrait de passer directement.
Laissons-les arriver, on les écrasera après. Mince, c'est un niveau 2? Je voulais pas prendre un niveau 2. Bon, on va dire qu'il servira. J'avais un truc pour convertir. Ah oui, puissance condamnationnaire contre les hérétiques. C'est pour ça que j'ai converti si vite, si facilement. Oh, la Saxe gagne plus. Si, ils ont encore un sacré score de guerre. Mais. Oh, on peut améliorer encore beaucoup beaucoup les relations. Faisons dans ça. Magdebourg, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu fais? Alors, la Pologne. Faudrait que j'aide à défendre contre Ottoman, tout simplement. On va dire oui. En revanche, je suis pas sûr qu'on puisse tenir face aux Ottomans. Donc on verra bien. De toute façon, j'ai une révolte pour l'instant. Ah, bah du coup, j'ai croisade. Motif national d'impôt, morale terrestre, motif des réserves, prestige annuel, influence sur le pape. Combien d'hommes ont les Ottomans? On les voit pas. On peut les voir dans le classement militaire, armée nationale. 65 000. Sachant qu'ils seront contre les 28 000 de la Pologne, les 23 000. Et les 19 000 de l'Autriche. L'Autriche, elle a beaucoup perdu depuis qu'elle est plus empereur. Voilà, on peut monter à 29 000 hommes. On va faire 30. Voilà, je pourrais monter à 50 en théorie. Il va falloir qu'ils se révoltent quand même, les Liégeois. Sinon je leur donne de l'autonomie et puis on n'en parle plus. Bourgeois ou noble? On va faire comme ça. Et on va demander aux nobles. Ah je peux pas. Ah lui il est contre le Palatinat. Ah oui il y a une grosse guerre dans l'Empire. J'avais pas vu. Qui oppose deux de mes alliés à un de mes alliés. C'est converti. Ravensburg s'est retiré. Ouais, ça va faire retirer les gens de la coalition, c'est déjà ça. On dirait pas si c'est la même couleur, Magdebourg et Münster. Faut que j'attende 32 pour pouvoir exiger un truc. 32 ou 44. Les Ottomans se sont attaqués aux mauvais. Faut qu'on leur montre que c'était une erreur de leur part.
à Prague n'avait pas eu le temps de se convertir à la fausse foi. Bonne nouvelle. Je sais pas du tout combien de temps d'épisode. 20 minutes, très bien. Qui a pris une province? La Saxe? Basse-Lusace? Ouh là là, bon, on va s'en ficher, hein. Je suis désolé, mais... Ah, des réformés qui convertissent des protestants. Oui, une révolte. Enfin, on a failli attendre. Oui, on court. Trop tard. C'était mes 7000 nouveaux soldats. Au moins, ils ont perdu d'un côté. La sale Autriche. Ou pas, c'est pas encore fini. Non, on a perdu. On a perdu notre commandant. Un de nos commandants plutôt. Elle rapporte combien la Slovaquie par exemple? Il y a une mine d'or, non? Ah, c'est là. Ça me plairait d'avoir cette région. Transdanubie, Croatie. C'est celle qui rapporte le plus, bah grâce à la mine d'or. Est-ce que... On fait des revendications? Non, pas par là. En revanche, ils ont revendiqué plein de trucs par là. Bon, la Pologne est pas super puissante dans cette partie. C'est un peu dommage. Pour moi, surtout. Ah! Florence a formé la Toscane. Il se passe à peu près rien par là. Le Portugal progresse tout là-bas. Marrakech est gros. Tunis est gros et allié aux Ottomans. Et donc en guerre contre nous? Non. Les Ottomans ont pensé qu'ils pouvaient y arriver tout seuls. Ils sont moins nombreux que nous quand même. Je sais pas s'ils ont oublié de prendre l'Autriche en considération dans la guerre ou un truc comme ça, mais... Oui, vous pouvez passer le Palatinat, oui, la Suisse tu peux. La Savoie c'est pas permis d'attaquer la Suisse, c'est l'inverse. Ouais. Suisse va faire des conquêtes. La Suisse étant dans l'Empire, j'aurais dû être appelé si jamais il y avait des soucis. Je sais plus pourquoi le Palatinat. Je sais pas vraiment pourquoi le Palatinat m'aime plus. Commence à vouloir nos provinces. On est. Il est allié à un de nos ennemis apparemment, Bad Cleve et Nassau. Non, je suis allié à un de ses ennemis, je pense plutôt. Ils ont conquis S. Je ne vais pas m'y opposer. S étant dans la coalition contre moi. Ah, et Magdebourg a grossi encore. Oui, ils se sont trouvés un allié, la Saxe. Ce qui doit pas leur garantir la paix. Ah oui, mais comme ils sont. Mais non, ils sont pas dans l'Empire, justement. Comme ils sont pas dans l'Empire, je peux pas les protéger. Je peux pas garantir que la France va pas aller les manger. Ils ont des fanatiques réformés. Pauvre pays catholique qui souffre. On va faire le siège plutôt. J'aurais pas de quoi tenir très longtemps, mais. C'est quoi l'objectif de guerre? Prendre Bessarabia. Je vois. Ah, faudrait que je sois sur les deux forts à la fois pour éviter que la province repasse, donc elle va repasser, et puis voilà.
C'est la Lituanie? Ah ouais. La Lituanie est là. C'est chouette d'avoir la Lituanie. Ça serait chouette d'avoir la Lituanie comme vassal. Ils peuvent reprendre tellement de territoires. Ils refusent uniquement parce que la distance de frontière à frontière est beaucoup trop grande. Oh, est-ce que... Non, ils se considèrent comme trop riches. Dommage. Nice est à la Savoie. Oh, ils ont pris juste... enfin, juste deux provinces, c'est déjà bien. Qui ne sont pas dans l'Empire pour l'instant. Ils avaient déjà pris Valais, donc ils ont trois provinces. Qui sont pas dans l'Empire et qui pourraient l'être. Alors... Là, c'est encore vivante. J'aurais bien voulu qu'elle disparaisse. Geldre a conquéri des trucs. Magdebourg a conquéri des trucs. Magdebourg, on s'en fiche. Ou pas, en fait. Est-ce qu'ils sont électeurs, Magdebourg? Ouais, on va pas les froisser, ils votent pour nous. Frise a mangé complètement un de ses voisins. Et Geldre a conquis Aix-la-Chapelle. Il m'aime pas, donc il refuse. D'accord. Et Freeze. Ils sont indignés. Bon, bah tant pis, on va laisser faire ces agissements dans l'Empire. J'ai moi-même agi par moments comme cela, manger un petit pays. On a l'objectif de guerre, mais on n'a pas, vraiment pas beaucoup de score. Perdu, perdu, perdu. Gagné, ça doit jouer sur les occupations. Ah, ils se sont fait prendre Varsovie. Moi j'ai des bohémiens révoltés. Faudrait que je prenne le fort d'abord quand même. Hop, c'est fait. Réduction du coût de construction. Ce qui m'intéresse le plus, c'est réduction annuelle de l'inflation. Ah, c'est vrai qu'on a toujours pas pris l'institution. Ça peine à arriver en Bavière. Ça arrive en Autriche, là. En même temps, au Palatinat. Ce sont deux de mes voisins. On est juste à moins 5 maintenant. On a l'objectif de guerre. Je pense que la Pologne va faire une paix blanche ou un truc similaire. Tant que les Ottomans sont motivés. Là, ils sont démotivés. Faudra aller les taper sur Bessarabie avant qu'ils reprennent le fort. Mais ils ont un 3 étoiles, alors il va falloir que vous veniez avec nous, les Polonais, si vous voulez qu'on tape. Et ils ont repris. La Moscovie fait une certaine taille, mais en même temps, elle n'a pas conquis les territoires. De la Lituanie comme on aurait pu s'y attendre, enfin ou pas beaucoup. Elle a pas énormément avancé sur Nogai. La Crimée est super puissante. J'espère qu'elle sera pas dépendante des Ottomans, la Crimée. C'est moi qui attaque là? La folie. Attendons un peu. Par contre s'ils vont Yassik et qu'ils se retrouvent seuls. Ah ils peuvent reculer, moi je peux pas avancer. Eh, avant je pouvais.
Comment ça se fait que je peux plus? Oh là, Zarbi et le système de fort. Augsbourg a revendiqué Munich. T'es sérieux, Augsbourg? Tu veux jouer comme ça? T'es une des provinces dont j'ai besoin. Tu veux vivre jusqu'en 1750 ou tu veux disparaître avant? Est-ce que ça peut s'arranger? Les Ottomans sont fatigués. Les Polonais sont fatigués. Moi, apparemment, je suis fatigué. Ils sont moins nombreux que nous, donc on devrait pouvoir faire un bon score. Oh, il y aura une bataille. Aïe, aïe, aïe. Repliez-vous, les Polonais. On se fera écraser stack par stack. Voilà, il y en a 26, 28 000. Évitez de les rencontrer, ouais, ils sont plus nombreux que vous. Et l'annexion va se terminer. Picardie, vassal, non, toujours pas. Je pourrais améliorer mes relations avec un autre électeur. Magdebourg. Pourquoi t'es plus mon copain? T'es catholique en plus, Magdebourg. Il est où? Il est là. Je pourrais m'allier avec eux. Ou alors je m'allie à un gros pays. N'importe quoi, mais un gros pays. L'Angleterre, par exemple. Elle a combien d'hommes, l'Angleterre? 34 000. Même si elle débarquera jamais, ça fait une grande menace quand même. Ou alors l'idéal, ce serait la Castille, mais... Je sais pas si la Castille, elle veut. Non, parce que France et Milan, ça lui plaît pas. La France, on est rivaux, tout simplement. Et la Moscovie. 52. La Moscovie a plus de troupes ou moins de troupes? Plus de... Non, moins que l'Angleterre. On va prendre l'Angleterre. Même si l'Angleterre est pas si forte que ça à cause de l'Écosse. Ah, il y a eu la fin des conflits religieux dans plusieurs pays. Ah, oh, je voulais garder un vassal pour les Pays-Bas. C'est maintenant que je m'en rappelle. Évidemment. Tant pis, ce sont des territoires à moi et puis voilà. Hop, j'accepte. Type de régime politique. Ville libre, République paysanne. Ville libre, ville libre, ville libre. République, République. Et c'est fini. Les autres, on peut pas leur proposer de devenir des villes libres. Nassau. J'ai révoqué Hambourg, j'aurais dû révoquer Francfort.
Ah non, ils sont en train de me siéger chez moi, les Ottomans. C'est pas cool. J'aimerais qu'ils se séparent. Gênes à accepter l'offre de paix de son ennemi ottoman. Est-ce qu'ils viennent de perdre une province ou pas? Non, je crois qu'ils sont juste quittés. Ils avaient une province, Gênes. Si elle n'était pas occupée, il n'y avait pas de raison particulière que ça se passe comme ça. Les États pontificaux ont mangé tout Naples. Ça en fait un pays puissant. J'aurais pu m'allier avec eux. Ottoman, Pologne cède 1, 2, 3 Ottoman. Oulolo. Oulolo. Pas bien ça. Alors, tout le monde s'en va de là quoi. Merci. On n'a plus les effets de croisade. Ah, j'ai gagné des bateaux. J'ai un territoire côtier, c'est vrai. Alors, ouais, ça va pas m'être utile du tout en fait. Protéger le commerce. Ou alors faire la course. Pour ça. Non, faire la course. Dans un nœud avec un de mes adversaires. Par exemple à Bordeaux. Ou à Bordeaux en fait. Hop. Un nœud avec mes rivaux. Améliorons nos relations avec les grands de ce monde. Ça pourrait servir. On a été en guerre. Ça n'impacte pas beaucoup le fait d'avoir été en guerre contre un pays. Allié à l'État pontificaux. Ouais, j'aimerais que les États pontificaux ne rejoignent pas, mais je crois que j'ai pas d'option. Guerre lointaine, ouais. Attitude envers les ennemis. Guerre lointaine. Ils ont combien d'hommes, les États pontificaux? 15 000. Et la Hongrie, 11 000. Ça fait pas mal quand même. Ça me fait dire que on va plutôt baisser ça. Baisser ça. Et c'est tout pour l'instant. Eh non. Tu as des territoires illégaux. Tu pourrais rendre Bruxelles. C'est-à-dire le Brabant. Non, tant pis pour le Brabant. De toute façon, j'ai pas de points pour l'Empire. Bohème a annoncé que j'étais son rival et la Saxe a rompu l'alliance. Bon, tant pis. On peut la convertir direct, ça va pas me coûter grand chose du coup. Trop bien! C'est des séparatistes bavarois! Comment c'est possible? J'ai même pas de claim dessus! C'est juste parce que c'est culture bavaroise! Oh, trop bien! La province que je vais avoir gratos!
On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve bientôt dans le suivant.